Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie. J'espère que vous êtes en forme ce soir. Je suis, j'allais dire, ravie de vous voir. Alors oui, je ne vous vois pas, mais je vais avoir les échanges pour les personnes qui sont là en direct avec le chat. Je suis ravie, eh bien, de pouvoir échanger avec vous ce soir. Merci pour votre présence et merci aussi pour votre présence à tous ceux-là qui nous regardent en replay. Et je suis ravie ce soir d'accueillir Colline Nicaise. Alors, vous allez voir, c'est une première, c'est la première fois que nous accueillons Colline sur l'Académie de la Nouvelle Vie et ça va être très enrichissant ce soir pour vous. On va parler des vies antérieures et on va parler, eh bien, de la thérapie par les vies antérieures, c'est-à-dire les bénéfices de la thérapie par la régression, et voir ce qui sous-tend ce travail thérapeutique quand il est régulier en régression et qu'est-ce qu'il peut y avoir comme bénéfice. Donc, ce soir, Colline, qui est thérapeute, qui est médium, va nous partager justement comment ce travail va pouvoir changer les choses par rapport aux difficultés que nous rencontrons dans notre vie actuelle, qui sont le point de départ pour ces séances. Donc ce soir, nous allons voir aussi ce que nous appelons l'hypnose spirituelle. Vous allez comprendre le processus de régression et puis vous allez voir aussi quels sont les bénéfices d'aller comme ça en régression régulièrement. Et vous allez en savoir plus, comprendre davantage notre présence sur Terre et notre mission de vie. Et aussi une pratique qui permet de développer ses capacités subtiles. Ça, c'est la régression. Et Colline va nous en dire davantage ce soir. Voilà pour le programme. Donc, Colline, avant de commencer ce programme, d'aller comme ça dans cette exploration et dans cette explication des vies antérieures et de pourquoi les explorer, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi en quelques mots? Oui, alors bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde déjà, merci d'être présent, merci Charlotte de m'accompagner ce soir pour ma première. Alors moi je suis éducatrice spécialisée, je travaille dans le milieu du handicap mental et puis maintenant depuis presque 8 ans, j'accompagne à côté de mon activité professionnelle d'éducatrice des personnes en thérapie. Mes outils, enfin ceux que j'utilise, ceux pour lesquels je suis le plus sollicitée, c'est la systémie, la médiumnité et puis l'hypnose spirituelle régressive. Voilà, donc ça c'est un petit peu ce que je peux dire sur moi. Voilà. Merci. Alors, C'est ça. commençons. Par où commençons-nous justement par rapport à ce sujet? Est-ce qu'on décrit peut-être déjà, parce qu'on parle de vie antérieure, qu'est-ce que c'est que les vies antérieures pour les personnes qui arriveraient là sur l'Académie de la Nouvelle Vie et qui se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pour les personnes qui sont habituées, je pense que vous connaissez déjà ce terme. Et là, il va peut-être avoir des questions comme, ah oui, mais on parle de vie antérieure, mais aussi de multidimension. C'est quoi la différence? C'est la même chose. Qu'est-ce que c'est que les vies antérieures? Alors, les vies antérieures, ça part quand même du postulat que nous ne vivons pas une seule incarnation, mais que nous avons plusieurs incarnations et donc que quelque chose à l'intérieur de nous continue d'exister suite à la mort de notre corps physique. Voilà. Et du coup, continue à grandir, continue à effectuer des expériences jusqu'au moment où elle choisit de revenir dans un corps physique pour expérimenter. Voilà, quelque chose de différent, une autre expérience de ce qu'elle a vécu précédemment. Donc ça implique quand même voilà, une continuité dans le processus évolutif de l'âme, de la conscience. Voilà, ce que je pourrais en dire brièvement. D'accord, merci. Et alors par rapport à ce qu'on appelle les multidimensionnels, c'est la même chose, c'est différent. Il en est. Alors, moi j'aborde très peu le principe des vies multidimensionnelles, c'est
c'est pas quelque chose qui me parle intérieurement. C'est quelque chose qui existe, hein. C'est-à-dire qu'on a plusieurs incarnations en même temps, hein. Ça, c'est clair, mais voilà, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, auquel je m'intéresse et que j'inclus dans ma pratique, ni dans la façon dont j'accompagne les personnes. Mais par exemple, pour prendre un exemple, en fait, on est là, on a toi et moi un certain âge, donc on se souvient de bah, quand on était enfant, on n'est plus cet enfant et pourtant on est devenu la personne que l'on est et pourtant bah, cet enfant il fait partie de nous. C'est un petit peu voilà, ce qui résume le fait d'avoir comme ça des vies, en fait, plusieurs incarnations en même temps, en fait. Voilà. Sauf qu'on s'en souvient pas. Non, tout à fait. Et On a c'est là où tu vraiment. C'est ça. Alors, voilà, moi j'ai prévu un petit déroulé. Sauf si tu veux que j'entre un petit C'est peu plus en parfait. détail. C'est parfait. Vas-y, vas-y, vas-y. C'était D'accord, simplement ok, ça pour marche. avancer. Je vais revenir un petit peu sur le plan parce que je vous propose un petit plan pour que ce soit un petit peu plus clair. Mais avant, j'avais envie de revenir brièvement sur mon parcours. Ça ne prendra pas, ce sera pas très très long. Et puis ensuite, on rentrera vraiment dans le vif du sujet. Moi, ce qui m'a amené à l'hypnose spirituelle, c'est l'envie d'allier à la fois mes compétences thérapeutiques, éducatives, sociales, donc de mon métier d'éducatrice, à mes qualités de reliance au monde spirituel, au monde subtil que je vis et que j'expérimente depuis que je suis enfant. Donc ça a vraiment été le moteur, en fait. J'avais envie d'allier les deux, l'aspect à la fois thérapeutique et en même temps bah, tout ce qui est en lien avec le monde spirituel. Et puis donc quand je suis tombée sur l'hypnose spirituelle, que je ne connaissais absolument pas, j'ai vraiment eu vraiment un grand coup de cœur. Je me suis dit, un jour je ferai ça. Bon, ça s'est pas passé tout de suite, hein. Il s'est passé quelques années, mais je savais que j'allais vers ça. Et je me suis formée, donc à un moment donné, bah, ça a été le moment, je me suis formée. J'ai effectué le premier cursus praticien, puis ensuite maître praticien. Et ce qui m'a été proposé ensuite, hein, c'est que j'ai eu l'opportunité de me former à l'hypnose spirituelle thérapeutique, qui est une forme d'hypnose régressive. Mais qui inclut l'aspect thérapie, c'est-à-dire qui sous-tend une continuité dans un travail sur soi, en fait. Et ça, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ah, ça, c'est vraiment ce pourquoi je suis venue. Je savais que je voulais accompagner en hypnose régressive, spirituelle régressive, mais avec le format thérapeutique, c'est clair, c'était du bonbon, en fait. Je me suis dit, ah, ça y est, ça, j'ai vraiment trouvé ma pratique de cœur, celle dans laquelle j'ai envie de proposer mes services, en fait, ce que je suis venue offrir. Donc voilà, c'était vraiment, je pense, une recherche de vraiment mettre du sens sur à la fois mes compétences, en fait, que j'avais acquises dans l'éducation spécialisée et en même temps tout ce qui était de l'aspect de la médiumnité, de la reliance au monde subtil. Et puis aussi parce que j'ai vraiment cette croyance-là qu'on est tous capables, en fait, de favoriser chez l'autre, en tout cas chez les personnes qui nous entourent, l'autonomie, l'autodétermination, vraiment d'accompagner ce mouvement qui pousse de l'intérieur et appelle à la croissance. Donc là, je me suis dit, bah, c'est super, avec un format de thérapie, bah, on est vraiment dans ce mouvement-là d'accompagner la croissance de l'être, en fait. Voilà, donc comment est-ce que je vais vous présenter un petit peu les choses? Déjà, je vais juste revenir un petit peu sur ce qu'on appelle l'hypnose spirituelle, quand même, juste pour savoir un petit peu de quoi on parle. Et puis, je vais revenir aussi un petit peu sur l'historique en lien avec cette pratique. Vous verrez, c'est assez intéressant de le mettre en lien avec le sujet de ce soir. Et puis ensuite, je prendrai un temps pour vous expliquer bah, comment c'est quoi une séance d'hypnose spirituelle, en fait, comment ça se déroule un petit peu, et puis comment ça se décline
sur un format thérapeutique et ce qui va changer. Parce qu'en fait, on ne va pas accompagner des séances de régression de la même façon chez une personne qui vient juste une ou deux fois nous consulter que chez des personnes qui choisissent un format thérapeutique. Voilà. Et ensuite, on abordera les bénéfices parce qu'il y en a plein et c'est ben voilà, ça c'est aussi un aspect vraiment très intéressant de cette pratique-là quand on s'y engage de façon régulière. Voilà. Est-ce que c'est bon comme ça? C'est parfait, c'est parfait. Ok. On t'écoute. D'accord. Alors, l'hypnose spirituelle, en fait, elle va emprunter à l'hypnose classique certains aspects, notamment des techniques qui permettent au sujet, à la personne que l'on accompagne, hein, d'accéder à un état expansé de conscience. Et puis, ce qu'elle a de plus, c'est qu'elle intègre en fait un lien intime avec le monde spirituel, qui va quand même être, surtout quand on aborde le fait de régresser en accompagnement thérapeutique, bah, qui va être quand même le thérapeute principal, puisque nous, on est en tant que praticien, on est plutôt un facilitateur, mais les véritables thérapeutes, ce sont nos enseignants, ce sont nos guides. Et puis, la partie sage et aimante à l'intérieur de nous qu'on connaît sous le nom de conscience supérieure ou moi supérieur. Donc, l'état expansé de conscience, c'est un état où, en fait, la personne que l'on accompagne, je vais dire sujet, j'espère que ce ne sera pas dérangeant, mais c'est plus pratique, comme ça on sait un petit peu de quoi on parle. C'est vraiment l'état où le sujet il va connecter à quelque chose de plus grand que lui-même. Il va connecter à une intelligence sage, enseignante, aimante, qui va lui permettre de se relier à ses ressources à l'intérieur de lui, d'activer des états d'être comme la confiance, une confiance profonde dans la vie, une confiance aussi dans les relations avec les autres, et puis des compréhensions aussi plus élevées dans du sens de ce pourquoi est-ce qu'on est incarné ici sur Terre, pourquoi est-ce qu'on vit cette incarnation-là. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour revenir sur ce qu'on entend par hypnose spirituelle. Et là, j'avais envie de vous parler un petit peu de l'historique. Parce que bon, y a quelques grandes figures de l'hypnose spirituelle régressive qu'on connaît comme Dolores Cannon, Michael Newton, et puis Brian Weiss, celui dont on va parler ce soir. Et pourquoi lui? Parce que lui, il a vraiment expérimenté avec ses patients, avec les personnes qui suivaient en thérapie, vraiment ce côté-là de régression régulière, donc de continuité dans un travail de régression. Et du coup, comme c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ben, ça me paraissait approprié de vous expliquer un petit peu ben, comment il a découvert ça et comment est-ce qu'il a travaillé avec. Vous verrez, ce ne sera pas très long non plus. Alors, c'était dans les années 1980. Brian Weiss, c'est un psychiatre américain. Il est à la tête d'une unité de psychiatrie. Et puis, ses confrères lui envoient une femme qui est une collaboratrice hein, du service dans lequel il travaille, qui ressent de fortes angoisses, elle fait des crises d'angoisse, elle a des cauchemars nocturnes, enfin, voilà, et son état général se dégrade et vient même influencer bah, son travail, etc., sa qualité de relation avec les autres, enfin, voilà. Ils ont tous essayé de l'accompagner, ça n'a pas donné grand-chose. Et puis comme c'est lui le directeur du service de psychiatrie, ben, en dernier recours, on lui adresse. Il va l'accompagner pendant 18 mois en psychothérapie classique, sans grand résultat. Et à un moment donné, il voit que ça stagne et il se dit, bon, il était formé à l'hypnose, voilà, je vais lui proposer quelque chose de différent, on va voir s'il y a quelque chose qui fonctionne. Donc, ils font une première séance et sur cette première séance, ils demandent à remonter à la source de ces grandes angoisses et de ces cauchemars comme ça récurrents. Elle régresse dans l'enfance et puis elle reconnecte à un souvenir traumatique. Bon, le processus thérapeutique, se fait, la séance se termine et lui se dit, c'est bon, on a trouvé vraiment la source de ces difficultés et elle va commencer à aller mieux.
Elle revient la semaine suivante et ce qui se passe, c'est que son état est toujours le même. Il n'y a pas eu d'amélioration. Elle dit, bon, peut-être que je suis passée à côté de quelque chose. Il lui propose une deuxième séance en demandant à remonter à l'origine de ses angoisses. Et puis là, ce qui se passe, c'est qu'elle régresse dans une autre vie. Donc, il se retrouve face à un phénomène qu'il ne connaît pas et qu'il ne comprend pas. Donc, bon, il suit comme il peut ce qui se passe. Et puis, ce qui se passe, c'est que la semaine suivante, quand elle revient, elle va mieux. Et là, il se dit, je comprends pas tout, ça me dépasse complètement ce qui est en train de se passer. Ça remet en question plein d'aspects que je pensais avoir intégrés. Mais il y a peut-être quelque chose à chercher à cet endroit. Et donc, il va l'accompagner pendant une année, à la raison d'une séance par semaine. Donc, il va effectuer à chaque fois, elle régresse, à chaque fois, il connecte avec les guides, à chaque fois, il y a un processus thérapeutique. Et au bout d'un an, elle a plus de symptômes, elle est entièrement guérie et elle a même développé une présence et une clairvoyance dans ses liens aux autres, dans sa capacité en fait à ressentir ce qu'ils vivent, à les accompagner aussi. Il y a tout un livre qui raconte à la fois le cheminement de cette femme vers la guérison, en même temps que elle régresse, et le processus de remise en question et de déconstruction de toutes les croyances de ce psychiatre. Donc c'est très intéressant. Et ce qui est assez particulier, c'est que finalement, cette façon d'accompagner-là a très peu été modélisé. Ce qu'on garde de l'hypnose spirituelle régressive, c'est voilà, on va faire une ou deux séances, et puis en fait, il n'y a pas vraiment. C'est très peu proposé dans une continuité. Alors que quand même, ça a fait partie des bases, en fait, hein, qui ont modelé l'hypnose spirituelle, la pratique de l'hypnose spirituelle. Et après, je me posais la question, est-ce que tu as. Des suppositions, pourquoi c'est pas repris justement, pourquoi ça n'a pas été modélisé? C'est vrai que quand on parle d'hypnose spirituelle, souvent on est en régression et on pense à Dolores Cannon, et puis il y a aussi le Michael docteur Hinton, Charbonnier Charbonnier, aussi. Voilà, oui. en France, et souvent c'est un peu à la séance one shot ou peut-être deux voire trois séances sur des Tout à séances en fait. plus assez longues, hein, 2 heures, 3 heures. Alors après, tu nous expliqueras à toi comment ça se passe. Donc, est-ce que c'est peut-être lié à ça, le fait que ça prenne aussi peut-être du temps, le fait que c'est un engagement? Qu'est-ce qui fait, d'après toi, que les personnes ont comme ça. Que ce soit pas repris, reproposé sur du plus long terme, est-ce que c'est décidé Je par quoi ça? sais pas. Je sais pas. J'ai pas de réponse à cette question. Bon, là, ce que je pourrais te dire, c'est que peut-être il y a une question de coût, hein, parce que quand on est sur des questions, sur des régressions longues, ça inclut aussi un aspect financier assez conséquent. Et donc, c'est sûr que, investir Oui. cette C'est oui. somme-là, par exemple, chaque Oui, semaine, c'est ça paraît sûr. complètement démesuré. Après, ça pourrait être Voilà. comme aussi d'autres Mais. accompagnements qui sont aussi sur du plus long terme, etc. Et qui pourtant sont quand même comment, et qui pourtant mince, j'arrive plus à m'exprimer. Et pourtant, les personnes y vont quand même, en fait. Oui. Je sais pas trop. C'est vrai que c'est quelque chose qui, moi, quand j'ai vraiment découvert cette approche-là, enfin, le fait qu'on pouvait, en fait, régresser de façon régulière, comme ça, comme une thérapie, je me suis dit, pour moi, ça a vraiment été une révélation. Je me suis dit, mais pourquoi ça n'a pas été, enfin, pourquoi ça a pas été proposé avant? Pourquoi on est sur des séances de une, deux, bon, des fois un petit peu plus, mais enfin, on dépasse guère les 5 séances, hein, quand même. Oui. Donc Et j'ai c'est hâte de vraiment, voir voilà, justement c'est. les bénéfices que tu vas nous parler Oui, dans quelques non, instants, vraiment, les bénéfices de le faire justement régulièrement. Oui, il y a vraiment des bénéfices assez extraordinaires, moi, que je trouve assez exceptionnels, vraiment. Alors, voilà un petit peu comment moi je travaille, du coup. C'est un petit peu sur ce format-là d'accompagnement régulier, en fait.
Et ensuite, c'est toujours à la demande de la personne, c'est-à-dire qu'on n'impose pas hein, le fait que la personne, elle revienne. Hein, c'est-à-dire, c'est elle qui prend ses rendez-vous et qui choisit du rythme, qui décide du rythme auquel elle a envie de travailler. C'est aussi des accompagnements qui sont aussi très, quand même très challengeants, qui demandent quand même un engagement intérieur assez important. Donc, bah, parfois, on a besoin d'un petit peu de temps entre les séances pour respirer et puis pouvoir assimiler tout ce qu'on a vécu. Et voilà. Mais plus on régresse, plus l'assimilation se fait rapidement. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que sur les premières séances, des fois, ça peut être quand même un peu remuant. Alors, comment se passe une séance? C'est assez simple. On a tout un temps en début de séance qui va durer entre 20-25 minutes à peu près, où on va, ça s'apparente un petit peu à ce qu'on peut trouver en sophrologie. Donc on a vraiment un temps où on va détendre le corps, où on invite la lumière à l'intérieur de soi. La lumière, c'est aussi ce qui commence en fait à nous faire changer de fréquence, ce qui augmente notre fréquence vibratoire pour nous rapprocher du monde spirituel. Donc voilà, ça prend un certain temps. Et puis, souvent, on se rend aussi dans un lieu de bien-être qu'on va ressentir, on va intégrer ce bien-être, l'expanser à l'intérieur de soi, de façon à ce qu'il grandisse, qu'on se sente vraiment relaxé, détendu, vraiment bien réceptif en fait. Ça, c'est vraiment la façon dont on amène, dont on favorise l'état expansé de conscience. L'état expansé de conscience, ça, c'est que la conscience, elle est plus juste localisée à l'intérieur du corps, mais en fait, elle est en lien vraiment avec cette intelligence sage et aimante qui est plus grande que nous, qui fait que on va pouvoir accéder à des mémoires de vie passée et à des enseignements par la suite. Quand on a bien exploré ce lieu de bien-être, qu'on s'est gorgé de ce bien-être, de cette détente, eh bien, on rejoint un sas de passage qui nous permet de connecter à une mémoire de vie passée. Et puis là, on va explorer en fait une vie passée avec différents moments. C'est-à-dire, on va explorer différents moments de cette vie passée. Quand on a bien exploré, eh bien, on va se rendre au dernier jour de l'incarnation passée. Je précise parce que des fois, il y a des personnes qui paniquent en pensant qu'on va les amener au dernier jour de l'incarnation présente, mais non, c'est l'incarnation passée. Et puis, on va explorer ce dernier jour. Généralement, il se passe, voilà, c'est des temps importants, hein, les temps avant de partir. Donc, on prend le temps de voir qu'est-ce qui s'y passe, comment est-ce qu'on vit ce moment-là. Puis, quand on l'a suffisamment exploré, eh bien, on va se rendre au à la dernière respiration, dernier battement de cœur, et puis on s'élève de l'autre côté. L'autre côté, c'est l'entrevie, c'est-à-dire c'est l'espace où vont nos âmes une fois qu'elles ont quitté l'enveloppe terrestre, l'enveloppe physique sur la Terre. Voilà. Et puis dans l'entrevie, bah, il y a plein de possibilités d'exploration différentes, et ça va pas être l'objet de. Je vais pas rentrer dans le détail ce soir. Il y a plein de choses qu'on peut vivre en fait dans cet espace-là, mais quand on régresse, on va vraiment prendre le temps de connecter. Sur une première séance, on va travailler avec la conscience supérieure. C'est vraiment cette part-là de nous, sage et aimante, qui a un point de vue un petit peu plus en altitude, hein, de ce qu'on est venu vivre. Et puis sur les séances qui suivent, bon, on travaille principalement avec nos guides. Voilà. Et on va effectuer tout un travail thérapeutique, où en fait on va questionner nos guides ou notre conscience supérieure. Bah, qu'est-ce qui fait qu'on a eu accès à cette vie passée? Quelle est l'influence de cette vie passée sur la vie présente? Quel était le défi que notre âme cherchait à relever? Les qualités spécifiques? Enfin, voilà, il y a tout un cheminement que l'on suit. Et puis quand ce cheminement-là est arrivé à son terme, bah, généralement on demande si ce serait approprié de recevoir un soin, ce qui dans la majorité des cas est approprié. Après, des fois, ça arrive un petit peu avant, ça dépend, mais alors on pose toujours la question à la fin de la séance, et puis ensuite, et bien, tout simplement, on revient. Donc ça, c'est une séance standard. Et puis, il y a un deuxième type de séance qui est le fait de connecter directement à l'entrevie, et donc à nos enseignants, à nos guides, pour recevoir des conseils en lien à ce qu'on vit dans notre vie présente. Voilà, donc ça... Généralement, les formats qui sont proposés, c'est un petit peu ça. C'est
une régression dans les vies antérieures qui implique une exploration, une connexion au guide avec des enseignements, des apprentissages, etc. Et ensuite, sur une deuxième séance, on vient avec nos questions, on connecte aux enseignants et puis ils vont nous enseigner, nous donner des conseils, nous montrer les choses sur un angle différent pour qu'on puisse se réajuster et améliorer les espaces qui sont en difficulté dans notre vie présente. Donc ça, c'est un petit peu le modèle que le plus répandu. Comment est-ce que on travaille du coup sur le long terme? Ça va être un petit peu différent. Donc on commence de toute façon par ces deux séances-là, généralement. Hein, c'est quand même le début du travail. Et puis ensuite, ce qui se passe, c'est que à chaque fois que la personne va venir régresser, elle va poser une intention spécifique, c'est-à-dire, elle va dire voilà aujourd'hui, et tout peut être sujet à une intention spécifique. Tout ce qu'on rencontre dans notre vie, généralement, c'est des choses qui nous posent problème. Hein. Voilà, c'est des conflits relationnels, des schémas qui se répètent. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut choisir comme, et même des choses très concrètes qu'on vit épisodiquement hein, dans notre quotidien, comme je sais pas, un différend avec un voisin. Enfin voilà, ça, tout peut être vraiment le départ d'une séance. Et puis soit on demande une vie en lien avec la difficulté qu'on rencontre. Soit on connecte directement avec les enseignants pour recevoir ce qu'ils ont à nous dire en lien avec ce thème-là. Donc, on pose, et sachant que les intentions spécifiques, elles sont, des fois elles sont respectées par le monde spirituel, et puis des fois ils jugent que ce n'est pas approprié, ils ont d'autres choses à nous transmettre, et puis ils nous emmènent ailleurs. Voilà. Ce qui se passe aussi, c'est que le temps de régression, et ça c'est très intéressant, se contracte, c'est-à-dire qu'il se réduit, puisqu'en fait, la personne qui régresse, elle acquiert des habiletés en fait dans le processus de régression. Donc au début, ça va être tâtonnant, c'est normal, hein, on n'a pas l'habitude, mais au fur et à mesure de l'expérience, sa capacité à régresser va s'améliorer, et du coup, on est sur des temps de séance qui passent de 2 heures, 2 heures et demie, à 1 heure, 1 heure 30. Voilà. Et donc, et c'est aussi très pratique pour l'aspect financier. C'est-à-dire, c'est quand même aussi moins coûteux d'envisager une séance qui va durer 1 heure, 1 heure 30, plutôt qu'une grosse séance de 2 heures, 2 heures et demie. Et puis, on peut travailler vraiment aussi sur des formats beaucoup plus courts, de 30 minutes, de 45 minutes, vraiment. Et c'est assez exceptionnel ce qu'on peut faire quand on connaît bien le processus en 30 minutes. Parfois, on a tout. On a un extrait de vie passé, les enseignements qui vont avec, les conseils, le soin, et en 30 minutes, c'est bouclé, entre guillemets. Donc, on peut avoir on a cette possibilité, en fait, d'accéder à des formats très, très variés et très souples. Et ça, c'est super intéressant. C'est vraiment, je trouve que ça permet d'ouvrir le monde de l'hypnose régressive parce que, finalement, on peut travailler sans forcément passer, on peut travailler en hypnose spirituelle, avec le monde spirituel, sans forcément avoir accès à une régression, à une exploration de vie passée. Voilà, donc ce que je disais aussi, c'est que ça permet à la personne, en fait, elle va progressivement acquérir des capacités à régresser, et du coup, la posture aussi du thérapeute va changer, parce qu'on ne va pas accompagner une personne qui régresse pour la première fois ou sur une deuxième séance, comme on accompagne une personne qui a effectué déjà 10, 15, 20 régressions. Comme elle acquiert une certaine fluidité en fait dans sa régression, nous, si on intervient trop, ça va comme la gêner, c'est-à-dire que ça va couper sa connexion au monde spirituel, couper son écoute interne, et elle va, le temps qu'on lui parle, déplacer son attention vers nous. Et puis, pendant qu'elle nous écoute, elle n'est pas en lien avec elle. Donc, on va espacer en fait nos interventions et on va venir en fait poser des questions à des moments où ça manque de clarté, où on a besoin d'avoir un petit peu plus de détails, etc. Donc, on est sur une pratique où, du coup, on est beaucoup moins interventionniste.
Oui, et puis souvent, ce qui est aussi très intéressant, c'est que quand on régresse comme ça régulièrement, ben, en fait, et quand on pose hein, des intentions spécifiques, ben, ça va être un petit peu comme les couches d'un oignon. C'est-à-dire au début, on va avoir un petit peu comment dire, ben, les couches superficielles. Et puis plus on va régresser, plus on va atteindre en fait une profondeur dans la compréhension de certains thèmes, en fait, que ben, de certains thèmes qui sont des grandes lignes conductrices dans notre vie, en fait. Donc ça aussi, c'est très intéressant, mais c'est pas quelque chose qu'on peut toucher avec une ou deux régressions. C'est vraiment quelque chose auquel on a accès progressivement, en fait. Et d'ailleurs, auquel on ne pourrait pas accéder sur une ou deux séances parce qu'on ne serait pas prêt à accueillir les remises en question et ce que ça vient réveiller chez nous, hein. Parce que les guides, le monde spirituel, ils sont très aimants, très bienveillants, mais ils sont aussi... Voilà, ils vont jamais nous flatter, nous mettre en position de comparaison avec d'autres ou en position de supériorité ou d'infériorité. Ils sont toujours dans une extrême justesse. Donc, ça remet en question. Voilà. Alors, à qui ça s'adresse? Ben, ça s'adresse à en fait, c'est le champ d'action de l'hypnose spirituelle thérapeutique, c'est vraiment très large, c'est-à-dire toutes les personnes qui veulent bien qui peuvent avoir de grands conflits relationnels dans leur vie, qui peuvent vivre des maladies, que ce soit des maladies chroniques ou voilà des maladies qui se déclarent. Ça peut être des personnes qui vivent des schémas répétitifs et puis des personnes aussi qui ont pu vivre aussi hein, des situations, des événements qui les ont profondément impactés, des deuils, des séparations, des accidents, etc. Et puis, bah, il y a aussi des personnes qui ont juste le désir sincère en fait de mieux se connaître et d'évoluer. Donc voilà, en fait, on peut et on a tous en fait, on a tous vécu ce type de situation. Je pense qu'on est tous touchés par ce type de situation, donc on peut se retrouver dans tous ces cas de figure. Donc, ce qui se passe, c'est bah, par exemple, on va avoir une peur ou un conflit qui nous dérange ou un symptôme physique qui est douloureux et qu'on ne comprend pas malgré tout ce qu'on fait, pourquoi est-ce que c'est là, pourquoi est-ce qu'on doit vivre avec cette douleur, etc. Bah, ça, ce sont des intentions de départ pour les séances. Et à partir de ces intentions de départ, bah, on va accueillir des vies qui sont en lien pour comprendre comment accompagner le mouvement de ce qui se passe dans notre vie présente à la lumière de ce qui s'est passé bien avant. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, écoute, on arrive au bénéfice. Alors, je ne sais pas si déjà il y a des questions ou pas. Sinon, Alors, je continue ou si toi tu en as. Sinon, je. là, non, à part peut-être, est-ce que tout ce qu'on vit là ou intention qu'on pourrait poser a finalement un lien avec une vie antérieure? C'est-à-dire que pour beaucoup de choses, on pourrait se dire, OK, je sais pas, j'ai une difficulté là au travail ou j'ai une difficulté avec telle relation, etc. Mais finalement, si là on prend l'exemple que tu donnais là de tout au début et de cette personne qui a fait des régressions toutes les semaines. Donc, admettons, si on vient toutes les semaines et qu'on vient avec une intention, bon, bah, alors là, il s'est passé ça, là, par exemple, j'ai eu tel souci, etc. Est-ce qu'il y a forcément un lien avec une vie passée ou une autre Oui, vie? alors je trouve ta question très intéressante. Alors, pas forcément. Ça, c'est vraiment mon point de vue personnel et mon expérience, hein. Vraiment, c'est vraiment pas une vérité. Je pense que parfois, on a accès à des contenus métaphoriques, c'est-à-dire à des ça a l'aspect d'une vie antérieure, mais ça n'en est pas une. Voilà, pour qu'on puisse, voilà, il y a certaines expériences qu'on a besoin hein, d'effectuer, et puis ben voilà, ça vient se placer avec un contenu métaphorique plutôt que sous l'apparence d'une vie antérieure. Et j'ai envie de dire, c'est pas très très important en fait si c'est vrai ou pas. Le plus important, c'est ce que C'est ça ça. vient nous enseigner, nous apprendre de nous-mêmes en fait. Hein. Chez les personnes que j'accompagne et qui n'ont pas la croyance des vies antérieures, ce que je leur dis, c'est mais en fait c'est comme vous pouvez l'envisager comme une projection de vous-même en fait, et de tous les espaces qui ont besoin d'être regardés, d'être accueillis, d'être compris. Donc je pense pas que ce soit toujours en lien en fait avec une vie antérieure. Par contre, là où je vais nuancer, c'est que une difficulté d'apparence anodine est toujours reliée à quelque chose de plus profond qu'on a à travailler.
Et ça, généralement, c'est quand même en lien, c'est souvent quand même en lien avec des récurrences, en fait, des aspects de nous qui reviennent, qu'on a besoin de travailler. Donc, des situations anodines comme ça font remonter à la surface. Et ben, généralement, c'est quand même il y a quand même des racines avant. Voilà. Mais ce n'est pas toujours le cas. Merci. Je ne sais pas si ça répond à Et ta question. oui, ça répond très bien. Je partage aussi la même vision. Et lorsque les personnes commencent à vouloir pratiquer, à vouloir bénéficier justement de ces régressions, est-ce qu'elles doivent savoir à l'avance finalement qu'elle s'engage ou ça peut se faire, ça se fait petit à petit en fait, c'est qu'elle commence et que Non, c'est là en fait. vraiment exactement ça. Ça vient vraiment. Alors, moi, c'est quelque chose que je propose, j'en parle, mais c'est toujours dans une grande liberté pour les personnes de n'effectuer qu'une séance et de pas revenir après, en fait. Hein, vraiment, et c'est pareil, les personnes qui viennent, en fait, pour être accompagnées sur le long terme, c'est vraiment un élan qui vient d'elles. Hein, c'est pas quelque chose que moi, j'encourage ou que je pousse. C'est vraiment, donc c'est à leur rythme. Parfois, elles vont venir et ben une fois toutes les semaines, et puis d'un coup, il va y avoir 15 jours, un mois où il n'y aura rien, et puis hop, ça va recommencer. Et puis des fois, c'est des personnes qui viennent très régulièrement, tous les 15 jours, pendant des mois. Enfin, voilà, c'est vraiment au rythme de chacun. Puis il y a des personnes que j'accompagne depuis des années et qui font 3 régressions par an, par exemple. Voilà. Donc, D'accord. c'est moins intense, hein. Disons que tous les bénéfices, toutes les capacités qu'on acquiert vont du coup prendre plus de temps pour s'installer. Mais c'est parfois des personnes qui ont vraiment besoin comme ça d'un soutien, un petit peu comme d'aller chez l'ostéopathe 2-3 fois par an, en fait. Et hop, après, elles peuvent repartir et puis c'est bon, en fait. Ouais. D'accord. Donc ça dépend vraiment des besoins de chacun et surtout des envies de chacun, en fait. Hein. Voilà. Ouais. Voilà. Alors, avant que tu ne parles des bénéfices, simplement, je voulais vous parler du fait que Colline propose un atelier là pour aller plus loin, pour commencer à expérimenter, en fait, hein. Tu vas nous en dire un peu plus, juste après, Oui, mais ouais. là, c'est vraiment la découverte. Si vous connaissez pas, ou si vous connaissez, mais que vous avez aussi envie de voir comment Colline pratique, là, c'est vraiment une découverte, voilà, de la régression, une exploration, voilà, d'un lieu de bien-être aussi. Là, c'est comme une introduction. Et puis, avec une connexion à une vie antérieure. Et commencer à voir, eh bien, justement, qu'est-ce que vous ressentez, vous familiariser justement au début d'une séance de régression pour déjà vous sentir plus apaisé, régénéré. C'est ce que propose Colline et ça sera le vendredi 5 juillet à 20h30. Et pour les personnes qui ne peuvent pas être en direct, sachez qu'il y a de toute façon les replays, vous pouvez les regarder et refaire les séances autant de fois que vous le souhaitez. Donc, au niveau très pratico-pratique, pour les personnes qui ressentent l'élan de commencer à expérimenter, à goûter, à toucher du doigt, justement à quoi ça peut ressembler. Donc, c'est comme le début, d'une séance. Je mets le lien dans le chat. Pour les personnes qui nous regardent en replay sur YouTube, le lien est simplement en dessous dans la description. Vous cliquez sur plus et c'est indiqué. Et pour les personnes qui regardent sur l'Académie de la Nouvelle Vie, eh bien là, c'est aussi tout en bas de la page pour vous inscrire. Et il y a une offre particulière, c'est-à-dire que pour les 15 prochains jours, là, juste après cette conférence, eh bien, le tarif de cet atelier est à 34,50 € au lieu de 57 €. Voilà pour les informations très pragmatiques. Et qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on va expérimenter dans cet atelier, Colline? Je vais vous accompagner dans un début de séance, en fait. Donc, c'est vraiment
La détente du corps, l'accueil de la Ouais, lumière, on se ok. rend dans Juste, un lieu. Oui. jusque-là, ça va, c'est ce qu'on a Oui, dit. ouais. Ok, on est On va se rendre bon. dans un lieu de bien-être qu'on va Ouais. explorer. Et donc, ce que je propose lors de l'atelier, c'est une connexion au guide. Donc, déjà, de pouvoir quand même commencer à ressentir un petit peu leur présence dans ce lieu de bien-être, se familiariser en fait avec la façon dont chacun l'aperçoit. Parce que j'en parle comme s'ils étaient extérieurs, mais en fait, hein, ça peut aussi être très intérieur, ou même juste, voilà, juste un sentiment qu'on est bien et on est quand même en lien avec eux, hein. Et puis un soin sur cette fin de séance. Voilà. Et c'est vrai que Mais. là, au moins, on va bénéficier d'un soin et aussi de commencer à découvrir avec aussi un soin. Oui, et puis c'est très intéressant de découvrir le Mmh. début d'une séance parce que c'est Oui. souvent, quand on régresse pour la première fois, c'est souvent là où on appréhende le plus parce que on se dit, est-ce que je vais réussir à me détendre? Est-ce que du coup ça va fonctionner? Est-ce que je vais voir des informations? Enfin, on est très pris comme ça souvent. Et donc, bah, du coup, le fait d'expérimenter une fois, bah, c'est toujours, c'est intéressant parce que ça permet, bah, le jour où on a envie de régresser peut-être, bah, de se dire, ah, D'aller c'est plus comme ça que vite, ça se peut-être aussi. passe. Et Oui. puis ça s'est vachement bien passé, je me suis sentie Mmh. super bien et puis il n'y a pas de raison que je ne perçoive rien. Et puis le fait de découvrir un lieu de bien-être, bah, c'est aussi le... Alors je ne serai pas là personnellement pour vous stimuler à me décrire comment est ce lieu de bien-être pour vous, mais bah, c'est déjà un petit peu se familiariser avec la façon dont on perçoit intérieurement les informations quand on régresse. C'est la même façon, quand on régresse, c'est de la même façon quand on se souvient d'un film qu'on a vu ou d'un souvenir qu'on rejoue à l'intérieur de soi, c'est au même endroit en fait. C'est pas très Tout à compliqué. fait, tout à fait. Voilà, donc Merci. Merci beaucoup ça pour sera sympa. ces précisions. Et alors, quels vont être les bénéfices aussi de cet atelier? Il y en a plein. Alors. Bah déjà, c'est voilà. Déjà, vous familiariser avec un début de séance, c'est déjà un grand pas. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut donner confiance en fait dans le fait qu'on est capable en fait d'y arriver. Parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui se demandent, bah, est-ce que je vais être capable de voir quelque chose? Est-ce que je vais être capable de lâcher le mental? Est-ce que je vais être capable de lâcher prise? Donc déjà, ça donne une idée un petit peu de bah, par quel chemin on passe quand on connecte à une vie passée. Vous verrez que vous allez super bien dormir la nuit ensuite, voire même vous endormir pendant l'atelier. Bon, c'est OK de s'endormir. Il y a des personnes qui s'endorment et c'est normal, hein. Généralement, on atteint un niveau de bien-être qu'on ressent peu dans notre vie présente parce qu'on ne prend pas le temps, hein, de prendre ces temps-là de détente, etc., de connexion au monde spirituel. Donc, bah, c'est souvent des états dans lesquels en fait on a envie de rester parce que bah, parce qu'on s'y sent bien et qu'on n'a pas l'habitude d'y être très souvent en fait. Voilà ce que je peux dire. C'est déjà pas mal. Oui, en effet. Et alors, par rapport aux bénéfices Oui. de cette thérapie par la régression, Oui, on peut peut-être y venir. tout à fait. Alors déjà, le fait de régresser en fait régulièrement, on apprend progressivement. C'est pas quelque chose qui se fait tout de suite, hein. Vous verrez que dans les différents points que je vais aborder, c'est des choses qui en fait se placent à l'intérieur de nous progressivement. Donc c'est vraiment bah, le fait de c'est la continuité des séances qui fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur de soi en fait, qui se déploie entièrement. Donc il y a déjà oui le premier point c'est vraiment cette diversité de points de vue et c'est très intéressant parce qu'on apprend à se placer à différents endroits de conscience et régulièrement eh bien on va expérimenter des vies par exemple avec un même thème mais avec un même thème mais sous des angles différents. On va aller vraiment pour être un petit peu plus concrète, c'est très schématique hein. Par exemple une personne va régresser dans une vie où elle a été esclave. Et puis, bah, généralement, elle va aussi aller regarder de l'autre côté, c'est-à-dire bah, qu'est-ce que ça donne quand on vit une vie où on a des esclaves sous nos ordres, qu'on est le maître, entre guillemets. Et ce qui est aussi intéressant, donc toujours, hein, généralement, quand on travaille en régression, sur le long terme, on vient toujours, quand on a
une posture très marquée à un endroit particulier, ben, généralement, on va nous montrer qu'est-ce que ça donne de l'autre côté. Hein, ou même dans nos relations. Hein, c'est vraiment quelque chose aussi, quand on a un conflit avec quelqu'un, qu'on lui en veut beaucoup, qu'on est en colère, eh bien, généralement, le monde de l'esprit nous montre aussi de l'autre côté qu'est-ce que ça donne une vie où c'est lui qui est, où c'est nous qui avons été en colère contre lui. Hein, pour qu'on puisse ressentir un petit peu qu'est-ce que ça donne quand on est d'un côté et qu'est-ce que ça donne quand on est de l'autre côté. Et ça, c'est vraiment aussi une des... ce qu'apporte cette approche aussi, c'est vraiment cette voie du milieu et cet équilibre finalement. On acquiert cette compréhension que on a besoin en fait d'expérimenter un côté et l'autre aussi pour pouvoir en fait à un moment donné grandir en conscience et trouver l'équilibre et trouver la voie du milieu en fait, hein, vraiment. On a trouvé, pardon, cette voie du milieu, parce que là, disant ça, je me dis bon bah, en fait, on peut vivre toute notre vie là, juste tout pour à fait. Expérimenter. Oui. Mais est-ce qu'on peut diminuer éventuellement ça à un peu moins que toute la vie pour l'expérimenter, peut-être prendre conscience. Tu veux dire les séances? C'est ton exemple là, par exemple, d'expérimenter. L'exemple que tu prenais, c'est oui, ça c'était dans très une marqué. Situation esclave, hein. Etc. Admettons qu'on expérimente l'autre polarité dans cette vie-là. Ok, est-ce que on doit forcément l'expérimenter toute la vie? Je comprends ta question. Ou est-ce qu'on peut ma compréhension et ma compréhension est aussi basée sur mon expérience, hein, parce que j'ai beaucoup régressé. Donc après, encore une fois, je détiens pas la vérité. Je pense que j'ai une certaine compréhension des choses, mais je suis qu'au début de quelque chose de beaucoup plus vaste. Hein. Et bien, à un moment donné, en fait, notre conscience, elle s'éveille. C'est-à-dire que oui, on peut avoir plein de vies où on va stationner dans les mêmes, on va vivre. Des fois, on a plusieurs cycles où on vit les mêmes situations, les mêmes schémas, en fait. Mais parce qu'en fait, ça peut paraître très répétitif, mais à chaque fois, à chaque incarnation où on vit les mêmes choses, notre conscience, elle grimpe, elle s'éveille de plus en plus. Et ça fait comme des micros, des micros, des micros, des micro-mouvements jusqu'au moment où, en fait, ben, d'un coup, elle s'extrait de... Elle dit « Non, mais là, c'est plus possible. » Et ça y est, elle passe à un autre niveau, en fait. Voilà, mais des fois ça peut prendre du temps et puis parfois plus on grandit en conscience, plus on a la capacité de transformer, de transmuter en fait c'est ce qui nous bloque et ce qui nous freine ou ce qui revient à nous de façon répétitive en fait. Voilà, mais parfois quand notre âme passe par des stades de conscience peu mature, et dans ces stades de conscience peu mature, elle a besoin de beaucoup expérimenter en fait. C'est ça qui lui permet de grandir en conscience et à un moment donné de pouvoir s'extraire de ce schéma-là et d'avancer en fait. Voilà. Ok. Donc ça peut prendre plus ou moins de temps, mais disons que là, c'est pas parce qu'on fait une régression que forcément ce qu'on est venu expérimenter là par rapport à cette vie antérieure va changer du tout au tout en fait, parce qu'il y a peut-être encore besoin de Exactement. Continuer à expérimenter, oui. De transformer. Oui, oui. Mais disons que ça va fortement pacifier les choses à l'intérieur de soi, et même en fait parfois il y a vraiment des séances qui permettent de résorber hein, certaines situations, certains symptômes physiques. Certaines relations très très conflictuelles. D'ailleurs, c'était un petit peu le point suivant. J'ai accompagné une personne en régression qui avait en fait une relation très conflictuelle avec sa mère. Elle avait une maman très très envahissante, qui prenait beaucoup de place, qui attirait beaucoup l'attention sur elle, et elle se sentait étouffée en fait, étouffée, incomprise. Il y avait beaucoup d'incompréhension en fait dans le lien. Et donc, la relation à sa mère a été l'objet de plusieurs intentions de régression. Donc, elle a expérimenté un certain nombre de séances, je ne sais plus combien, où elle s'est vue, elle en tant que mère et sa mère en tant qu'enfant, conjoint, enfin voilà, il y a eu plein de
Elle a pu expérimenter plein d'endroits différents, en fait, pour aller comprendre la relation et qu'est-ce qui faisait qu'elles étaient ensemble, pourquoi elles s'étaient choisies, qu'est-ce qu'elles travaillaient ensemble aussi. Et puis, il y a eu à un moment donné une régression qui a été très significative. Déjà, ça a permis vraiment d'apaiser le lien, hein, dans une certaine mesure, en tout cas de pacifier quand même. Et puis, à un moment donné, elle a eu une régression vraiment significative où elle a régressé, et c'était pas du tout en lien avec sa mère. C'était pas l'intention de la séance, mais elle a régressé dans une vie où elle avait une personnalité similaire à celle de sa mère dans la vie présente. Et le fait de vivre à l'intérieur d'elle cette personnalité-là, de comprendre en fait de l'intérieur ben, qu'est-ce qui faisait qu'est-ce qui se passe quand on a une personnalité comme ça, qui a besoin d'attention, qui est étouffante, qui prend de la place, etc. Ça a dénoué quelque chose à l'intérieur d'elle. Et ça a vraiment pacifié durablement la relation. Voilà, c'est un exemple, par exemple. Voilà, mais ça Merci s'est pas pour fait, l'exemple. ça s'est pas fait en une séance, hein. Puis généralement, quand Oui. on arrive dans une incarnation avec une relation qui conflictuelle, c'est généralement un de nos défis quand même, hein, de pouvoir en fait, voilà, apprendre tout ce qu'on a à apprendre, tout ce que nous renvoie cette personne-là, ce sont des apprentissages qui sont nécessaires et importants pour nous. Donc, ben ça, c'est clair que ça va être un challenge et un réel défi. Ouais. Voilà, donc ça fait partie un petit peu de ce qui peut se travailler. Ensuite, ce qui est aussi intéressant, c'est que parmi les bénéfices, c'est qu'en fait, dans toutes nos mémoires de vie passée, on a engrammé un certain nombre voilà, de tensions, de colère, de regrets, de haine parfois, enfin, voilà, des émotions comme ça très très fortes. Et le fait de s'y reconnecter, de les revivre en fait, donc d'accueillir toutes ces émotions qui remontent pendant le travail en thérapie, et ben ça libère beaucoup d'énergie. Voilà, donc c'est aussi de l'énergie bah, qui nous revient en fait. Quoi d'autre? Alors oui, ça c'est un point que je trouve assez incroyable, mais je crois que je les trouve tous assez incroyables. C'est vraiment le fait de se relier à soi de façon beaucoup plus humble, beaucoup plus sincère et beaucoup plus authentique. Parce qu'en hypnose spirituelle, il y a vraiment un réel travail d'acceptation de soi et surtout d'oser être pleinement soi-même. De partager au monde notre unicité, notre couleur d'âme, c'est un aspect qu'on retrouve pratiquement dans chaque séance. Alors des fois, ça fait l'objet d'une séance, et puis des fois, bah, ça va être voilà un petit moment de la séance qui va parler de l'importance hein, de vraiment s'accepter tel que l'on est et d'oser être pleinement soi-même. Et c'est vraiment quelque chose, j'ai remarqué, qui est encouragé par le monde spirituel. C'est-à-dire, ils abordent vraiment très fréquemment cette dimension-là. Parce que quand on est vraiment soi-même, bah, on peut offrir plus facilement au monde ce pourquoi on est venu. Voilà. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose qu'on travaille beaucoup en thérapie, en fait, qui vient, et c'est aussi quelque chose ça ne se dévoile pas dans les premières séances. C'est vraiment un travail régulier qui va faire qu'à un moment donné, voilà, on avance en fait vers cet accueil de soi et vers cette pleine réalisation. Et c'est un job, hein. Vraiment, c'est je crois que on a tout le temps à apprendre, en fait. On a tout le temps à apprendre plus pour être soi-même et voilà, ne plus avoir peur du regard des autres, ne plus avoir peur de ce qu'ils pensent de nous, de ce qu'on fait, de ce qu'on est. C'est vraiment quelque chose qui est voilà, qu'on apprend en fait à dépasser et à progressivement eh bien, déployer à l'intérieur de nous. Et ça amène aussi, ce qui est intéressant, c'est que quand on apprend à se relier à ces parts de soi beaucoup plus humbles, sincères, authentiques, parce que comment est-ce qu'on accède à ces parts beaucoup plus humbles, sincères et authentiques? C'est quand on est en lien avec nos enseignants. Hein, nos guides, ils vont nous remettre en question. Alors, avec beaucoup d'amour et beaucoup de sagesse, mais ils vont nous remettre en question. Donc, ils vont nous confronter hein, à des espaces de nous qu'on n'a pas forcément envie d'aller regarder. Et ça nous pousse hein, à l'humilité, à la sincérité, à l'authenticité. C'est quelque chose qui, au fil des régressions, au fil de la thérapie, on apprend en fait à
différencier la vibration de la sincérité du cœur de celle des masques qu'on emprunte. Et on en emprunte tous, hein, des masques, on en a tous, il n'y a pas d'exception. Donc, et c'est aussi des choses qu'on apprend, en fait, quand on a cette sensibilité-là. Déjà, on apprend tout de suite on ressent tout de suite quand on est dans notre sincérité ou quand on est dans nos masques. Ça, c'est quelque chose qui nous apparaît. On arrive très, très rapidement à différencier ça à l'intérieur de soi. Et ensuite, on arrive aussi à le percevoir chez les autres. Et je trouve que ça amène aussi plus de conscience dans nos relations et dans nos liens aux autres. C'est-à-dire que ça va vraiment encourager des relations beaucoup plus sincères, beaucoup plus authentiques aussi avec les autres. Parce qu'on va rechercher la vibration du cœur ensuite. Hein. Une fois qu'on l'a, une fois qu'on la sent à l'intérieur de soi, c'est quelque chose aussi qu'on va rechercher dans nos relations. Donc voilà, donc ça c'est aussi un des aspects qu'on déploie en fait quand on régresse sur le long terme. Ce qu'on vient aussi travailler, c'est le fait, et ça j'adore, je trouve ça tellement, c'est vraiment un des aspects qui je trouve m'émeut le plus, c'est qu'on vient vraiment stimuler l'élan intérieur de faire du mieux qu'on peut. Dans certains témoignages des personnes qui vivent des EMI, donc des morts imminentes, et puis qui reviennent ensuite à la vie, elles disent qu'elles ont rencontré des présences de l'autre côté du voile qui leur ont demandé « Comment est-ce que vous avez aimé ? Comment est-ce que tu as aimé, en fait, dans ta vie ?» Et je trouve que... Et on peut, en fait, quand on... En régression, quand on accède à l'entrevie, quand on a quitté l'exploration de la vie passée, et ben parfois on accède à des espaces où en fait on observe la vie qu'on a vécue et on fait un petit peu le bilan de la façon dont on a agi, dont on a été, etc. Et je trouve que ce travail-là nous rend beaucoup plus conscients et responsables de la façon dont on est avec les autres, de la façon dont on agit, de la façon dont on fait nos choix. Et régulièrement, les personnes qui ont fini un travail thérapeutique et avec qui j'en parle, ou qui reviennent après, quelques mois après, pour une séance comme ça, ou elles disent « mais en fait, je ne perçois plus les choses de la même façon. Quand je dois poser une action, quand je dois faire un choix, quand j'interagis avec quelqu'un, je me demande toujours, et quand je serai de l'autre côté, quand je vais regarder ce choix, la façon dont j'ai réagi à cet événement-là, est-ce que je serai fière de moi? Est-ce que j'en serai content? » Donc ça, c'est vraiment quelque chose c'est une conscience, en fait, beaucoup plus responsable, qui se déploie aussi. Voilà. Et auquel on a accès quand on régresse comme ça régulièrement. Et je trouve que c'est beau. ça nous rend plus attentif à la façon dont on parle avec les autres, etc. Et ça nous demande une attention un petit peu particulière. Est-ce que ce qui sort de ma bouche c'est bon? Est-ce que ça va permettre à la personne de grandir? C'est tout ça que ça amène aussi. Un autre aspect très important, puis moi que je trouve aussi passionnant, c'est le fait d'expérimenter plein de personnalités différentes. Puisque quand on régresse, on va en fait comme chausser un costume, on va enfiler un costume, comme quand on va au théâtre. Et puis le temps de la pièce, entre guillemets, on va se laisser happer par la personnalité, les émotions du personnage. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va nous... En fait, le monde spirituel, les guides vont nous montrer des vies avec des personnalités complètement différentes des nôtres, des personnalités avec lesquelles on ne se sent pas du tout connecté. On se dit donc je trouve ça très intéressant. Ça permet vraiment ce que ça permet sur le long terme. Puis ça, c'est aussi quelque chose qui revient beaucoup dans les témoignages des personnes qui régressent comme ça, que j'ai pu accompagner, et même d'autres. Il n'y a pas que moi qui accompagne. Mais c'est que ça permet vraiment de poser un regard plus aimant, plus compassionnel, plus tolérant, déjà vis-à-vis de nous-mêmes, mais surtout vis-à-vis des personnes qui nous entourent. Et on se sent aussi plus relié aux autres, c'est-à-dire qu'on acquiert aussi cette compréhension qu'on fait partie d'un tout,
et qu'on est là pour s'entraider les uns les autres et que nos actions, elles ont nos actions, la façon dont on interagit avec les autres ont une incidence sur leur chemin de vie en fait. Voilà. Donc voilà, le fait d'expérimenter plein de personnalités différentes, c'est comme si ben on se place à plein d'endroits différents. Ça permet vraiment de et ben de se mettre à la place de certaines personnes que peut-être auparavant on aurait eu de la difficulté à comprendre, mais parce qu'on l'a vécu de l'intérieur, on se dit ok, là je peux saisir ce qu'elle est en train de vivre parce que ben j'en ai eu un aperçu en le vivant moi-même en régression. Ce que ça amène aussi, c'est que plus on invite des personnalités, plus on expérimente des personnalités différentes, plus on comprend qu'on n'est pas cette personnalité-là dans notre vie présente, qu'on n'est pas juste la personnalité et juste le corps en fait. Donc qu'on est bien plus que ça et que finalement, ben la personnalité, le corps, c'est comme le véhicule que notre âme, elle a choisi pour apprendre tout ce qu'elle a à apprendre, pour expérimenter tout ce qu'elle a expérimenté et grandir en conscience. Donc ça, c'est quelque chose, il faut un petit peu de temps pour que ça s'installe. Hein. C'est vraiment, ça fait vraiment partie d'un processus beaucoup plus long. Voilà, quand on a vraiment expérimenté plein de personnalités différentes, c'est beaucoup plus facile en fait d'avoir accès à cette compréhension, parce qu'on peut avoir la compréhension intellectuelle, qu'on n'est pas juste cette âme et cette personnalité et ce corps. Mais à un moment donné, ça s'intègre vraiment. Et là où ça s'intègre vraiment, c'est quand c'est intégré, c'est vraiment cette capacité à prendre de la hauteur, en fait, à percevoir les situations que l'on vit. Avec un point de vue un petit peu plus élevé, c'est-à-dire quand on va en fait vivre une situation difficile, assez rapidement, on va avoir le réflexe de percevoir la situation avec un peu plus de détachement et de recul, comme si on s'extrayait de la situation et qu'on l'observait de loin. Et c'est un mécanisme qui se fait de façon assez... c'est comme on a l'habitude en fait de régresser, d'explorer plein de personnalités différentes. On a saisi qu'on n'est pas juste cette personnalité et ce corps, et du coup, quand on vit quelque chose de difficile, alors bien sûr, on a le premier truc, on est complètement dedans, on a les émotions et tout, mais assez rapidement, il y a cette capacité-là, en fait, qu'on acquiert de se désidentifier de ce qu'on est en train de vivre, hein, de prendre un petit peu de recul et d'observer d'un peu plus loin. Et puis, ça efface pas la difficulté, hein, loin de là. Ça rend pas les choses plus faciles, mais par contre, ça transforme entièrement la façon dont intérieurement on accueille ce qui se présente en fait dans notre vie. Et ça change tout. Hein. Voilà, c'est vraiment quelque chose de vraiment très intéressant et surtout, je trouve de soutenant en fait dans ce qu'on vit, parce que bon, on vit pas toujours des choses faciles. Hein. Donc voilà, cette capacité en fait à se positionner en hauteur, à voir un petit peu les choses d'un peu plus haut. Et moi souvent je me dis, quand je vis une situation comme ça difficile, d'abord j'ai le nez dedans, ensuite j'ai ce moment de recul. Et qu'est-ce qui se passe quand j'ai ce moment de recul? Je me dis ok, je suis en train de vivre quelque chose de douloureux, de souffrant, et mon humain il souffre en fait, c'est difficile pour lui. Mais ça vient probablement m'enseigner et m'apprendre quelque chose d'important. Et donc, je ne l'accueille plus comme un fardeau ou comme un poids, en fait, voilà, qui m'écrase, mais plutôt comme, ok, il y a quelque chose qui m'est offert là, c'est super dur, c'est hyper inconfortable, c'est très souffrant, mais ça veut dire que derrière, c'est pour me faire travailler pour que je puisse grandir, en fait. Et donc, j'ai ce moment de recul où je me dis ça, en fait. C'est toujours très aidant. Vraiment, c'est quelque chose qui va m'accompagner pour traverser en fait le moment difficile. C'est aussi des choses que peuvent dire, hein, les personnes qui régressent régulièrement, cette capacité à se mettre à distance et à dédramatiser, à relativiser ce qui nous arrive, à prendre un petit peu de recul par rapport à ce qu'on vit en fait. Puis généralement, quand on prend un peu de recul, on voit aussi toutes les possibilités qu'on n'avait pas vues quand on a le nez dessus. Hein. Voilà, on arrive à la fin bientôt. oui, alors il y a un aspect tellement, je trouve tellement important aussi, c'est le fait que ça vient, ça, c'est aussi un processus qui vient soutenir la confiance en soi et la confiance en la vie.
Parce qu'on est vraiment dans cette reliance au monde spirituel, et le fait de régresser régulièrement, ça nous met en relation, en lien très étroit avec nos guides, avec aussi cette part de sagesse et d'amour à l'intérieur de soi, hein, qu'on a tous, qu'on porte tous à l'intérieur de soi. Et ça crée comme un sentiment intérieur qu'on est soutenu, en fait, qu'on n'est pas seul. Qu'on est accompagné à chaque instant. Et je trouve que ça favorise en fait vraiment un état profond de paix, de sérénité, qui emmène aussi à une certaine forme de lâcher prise. J'aime pas trop ce mot, mais c'est un petit peu une certaine forme de lâcher prise qui permet de rebondir, d'accueillir les difficultés du quotidien avec plus de fluidité, en tout cas plus d'ouverture. Donc, la confiance en la vie, ouais, c'est quelque chose qui grandit en fait, hein, au fur et à mesure des régressions. Et c'est vraiment aussi quelque chose qui une fois qu'on a arrêté de régresser, quand on juge que voilà, on en a fait assez et puis qu'on clôture ce temps de thérapie, c'est quelque chose en fait qu'on va garder. C'est-à-dire vraiment, on va garder cet état quand même. De paix, de sérénité, de confiance en la vie, qu'on va avoir davantage de facilité à stimuler à l'intérieur de soi en cas de difficulté. Voilà. Et puis, voilà. Et puis, ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que vraiment, et ça, je pense que ça fait aussi partie de ce qu'on vient tous travailler, c'est de pacifier tous ces espaces à l'intérieur de nous qui sont en lutte. Ça, c'est vraiment un des grands objectifs, hein, du travail de thérapie, de régression en thérapie. C'est d'aller à la rencontre de tous ces endroits-là qui sont en colère, qui sont dans le jugement, que ce soit envers nous-mêmes, hein, parce qu'on peut être très dur avec nous-mêmes. Hein. Quand on régresse régulièrement, on se rend compte qu'on est très, très dur, hein, généralement très dur avec nous-mêmes. Et le monde spirituel nous invite toujours à beaucoup de bienveillance envers nous-mêmes. Alors attention, hein, c'est sûr qu'ils nous remettent en question, mais toujours dans une, nous invite à beaucoup de bienveillance et d'amour envers nous-mêmes, dans une justesse, hein, qui laisse pas tout passer. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qu'on vient travailler, cet apaisement et cette pacification de tous les espaces à l'intérieur de nous qui sont en lutte. Et c'est pas juste à l'intérieur de nous, hein, c'est tous les espaces qui sont en lutte qu'on projette à l'extérieur. Donc, bah, bien sûr, ça vient toucher des situations concrètes de notre vie, des relations, etc. Et puis, c'est aussi un puissant levier de travail sur la valeur que l'on se donne à soi-même et sur l'amour de nous-mêmes, en fait. Ça, c'est aussi quelque chose qui se dépose, hein, au fur et à mesure progressivement des régressions. Le fait que le respect de soi, l'accueil, le respect de ses besoins, la valeur aussi, notre valeur qui est à chacun, qui est immense en fait. Et ça, c'est aussi, je trouve que la valeur qu'on se donne à soi-même, l'amour de soi, c'est aussi très en lien avec, j'ai observé, hein, quand même que c'est aussi très en lien avec la compréhension. Quand on régresse, on acquiert quand même une compréhension plus large de ce qu'on est venu faire sur Terre, de la fameuse mission de vie. Et ça, en fait, et c'est pas généralement, on pense, hein, qu'on va en une séance, on accède à ces lignes de vie, c'est quoi ma mission de vie, etc. Mais quand on régresse régulièrement, on s'aperçoit qu'on a des grandes lignes directrices, des grands thèmes qu'on vient travailler, mais qu'il y a plein de sous-thèmes. Dans toutes les situations qu'on rencontre dans nos vies, ben, il y a des petites choses qu'on nous demande de travailler, hein. Le fait d'être plus en lien avec l'amour de soi et la valeur qu'on se donne, ça, c'est vraiment quelque chose qui se déploie en fait au fur et à mesure de nos régressions et qui aussi permettent de trouver un équilibre qui soit beaucoup plus sain dans tous les aspects de notre vie, hein.
Puisque bah, quand on se respecte soi, quand quand on est plus conscient de nos besoins, quand on est plus conscient de la valeur que l'on a, quand on est plus aimant envers soi-même, il y a plein de situations desquelles on se détourne et dans lesquelles on n'a plus envie de rentrer et de s'investir, bah, parce qu'on sait que voilà, ça va pas empêcher la vie de nous proposer certaines situations, mais de nous-mêmes, en ayant cette conscience-là de tout ce qui s'est développé à l'intérieur de nous, ben, naturellement, il y a des endroits où on va plus aller, en fait, parce qu'on va dire, ben, ça sert à rien, là, je vais me mettre en difficulté toute seule, en fait, hein. On va chercher, voilà. Voilà, donc on acquiert aussi ce que je disais, une compréhension plus profonde de ce qu'on est venu vivre sur Terre, donc en lien avec la fameuse mission de vie. Mais je trouve que c'est très réducteur de parler de mission de vie parce que quand on régresse comme ça de façon régulière, ben en fait on se rend compte qu'on a plein, plein, plein d'endroits qu'on a à travailler, on a plein de qualités à travailler, on a plein de, que ce soit dans nos relations, enfin voilà, il y a plein d'espaces de nos vies qui sont touchés par. Bah des thèmes spécifiques qu'on vient travailler en fait. Donc on a des lignes directrices et puis après on a plein de petits sous-thèmes hein, qu'on vient travailler. Beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Et puis j'arrive à la fin. Je l'ai placé volontairement à la fin parce que je voulais pas que ce soit la carotte qui donne envie de venir faire un travail en thérapie. Mais c'est que ça permet aussi de régresser régulièrement, c'est clair que ça vient développer nos capacités subtiles et notre médiumnité, notre intuition, l'écoute de nous-mêmes, notre capacité à nous relier à nos guides, au monde spirituel. Ça, c'est indéniable. Après, chacun va le développer à sa manière. Il y a des personnes pour qui la médiumnité va complètement se dévoiler et puis voilà, ça va être quelque chose dont ils vont pouvoir en fait. Voilà, sans se servir, puis offrir au monde. Et puis il y a des personnes où ça va être beaucoup plus intériorisé, et puis beaucoup plus, voilà, beaucoup plus intime en fait dans le vécu. C'est OK aussi, mais c'est clair que la connexion à nos guides, c'est vraiment, et au monde spirituel, c'est vraiment quelque chose le fait de travailler régulièrement avec eux, c'est vraiment un grand levier en fait de développement de nos capacités subtiles, en fait. Voilà. Et puis, le dernier point, c'est que bah, quand on a effectué 20, 25, 30 régressions, bah, à un moment donné, on peut être autonome, c'est-à-dire qu'on peut le faire tout seul. Donc, bien sûr, ça ne remplace pas le travail avec un tiers, avec un thérapeute, puisque bah, on a tous aussi cette fâcheuse tendance quand même à ne pas vouloir aller regarder certains espaces à l'intérieur de soi. Donc, quand on a un tiers, bah, c'est plus facile d'y accéder que quand on est seul. Où là on peut dire non, j'ai pas trop, trop envie de voir. Mais voilà, on a cette fluidité en fait qu'on a acquise et du coup en fait, ben, on est tout à fait capable en fait de régresser par soi-même et puis surtout on est tout à fait capable de se relier seul en fait à nos guides, à notre guidance et à l'écoute en fait, à une écoute interne qui nous permet de mieux s'orienter et de mieux nous guider, de mieux nous orienter dans notre vie en fait, tout simplement. Donc voilà un petit peu pour tous les bénéfices, tous les atouts en fait de cette pratique-là que moi je trouve exceptionnelle en fait. Voilà. Merci beaucoup, Colline. Et je rappelle que justement, pour commencer à expérimenter le début d'une séance et puis aussi un soin, eh bien, je vous donne rendez-vous vendredi 5 juillet à 20h30 pour l'atelier avec Colline. On souhaite déjà la bienvenue à Frédéric qui s'est inscrit pour l'atelier. Voilà. Et le lien est toujours dans le chat, voilà, pour pouvoir vous y connecter et vous inscrire. Et pour les personnes qui regardent en replay, c'est toujours en dessous dans la description. Voilà. Colline, est-ce que tu veux Oui. rajouter quelque chose ou le mot de la fin pour conclure? Alors écoute, je pense que je t'ai tout dit. Oui. Je vous ai tout dit. Je suis ravie en fait d'avoir pu vous parler d'hypnose spirituelle régressive avec cet aspect thérapeutique parce que je trouve que c'est encore peu connu, peu pratiqué, peu proposé et que c'est tout ce que ça propose, c'est tellement. J'en vois les effets sur moi, j'en vois sur les, je vois les effets sur les personnes que j'accompagne, c'est tellement exceptionnel et surtout c'est une pratique très
qui est très respectueuse du rythme de chacun. Donc voilà, on va jamais aller plus vite que ce qu'on est capable d'accueillir en fait. Et puis ça c'est vraiment le lien avec nos guides, avec nos enseignants, qui est tellement respectueux de là où on en est en fait. Voilà, donc c'est une belle pratique que je suis très heureuse de vous avoir fait découvrir ce soir. Merci beaucoup, merci pour tes partages, merci pour ta passion aussi par rapport à cette thérapie par la régression. Merci à vous tous pour votre présence. Oui, merci. Mais voilà, je vous souhaite et nous vous souhaitons une excellente soirée, journée pour les personnes qui regardent en replay. Et à très bientôt sur l'Académie de la Nouvelle Vie. On vous embrasse. Au À revoir. bientôt.